Salut. Ouais, ça va. Alors bon, j'ai 5 maps à te faire tester. Ouais, justement, moi j'ai pas vu le début du mapping, donc j'ai pas totalement tout compris au concept. Ah, y a pas de problème. Ouais, j'ai préféré faire une donation en bits et repartir, tu vois. Ouais, je comprends. Ok, c'est bon, je suis sur le serveur. Je reviens juste une seconde. Ouais, vas-y, vas-y. Le map arrive de suite, donc voilà. Comment ça, Sard est vexé? Bah, qu'ils viennent. Bah, écoutez, s'il veut pas venir, qu'il vienne pas. Mais en tout cas, il peut venir, y a aucun problème. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. On va faire un test, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre que 10 minutes de time attack par map, parce qu'il y a 5 maps, donc 50 minutes, c'est quand même beaucoup. Et donc on va tester avec Wingo, tranquillou. Et on a Bren et Karl qui nous rejoindront plus tard, donc on va switcher sur les maps. Je vais passer les maps à notre cher admin Trackmania. Go faire une map nommée Main, reliant toutes les maps pour le lore. Non. Niutaga, ça fera une map bien trop longue et on n'a pas du tout pensé pour ça. Ah, il est là! Ouais, je suis là, mais bon, ouais. Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Bah, je sais pas, tu vois, je me sens un peu nul, tu vois, pour ce channel, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Rien, je déconne. Où est passée ton humilité? Oh, Sardoche. Non, mais c'est tranquille, je vais faire de mon mieux. Non, au contraire, là tu es en full humilité, c'est ça? Ouais, c'est pour ça que tu te sens trop mauvais? Non, mais bah pour toi, quoi. Ah, bah c'est vrai que tu es très, très. Très inférieur en termes de niveau Trackmania par rapport à nos habituels testeurs. Mais il y a aucun problème, tu es bienvenu. Moi je trouve que c'est un bon tu vois, c'est un bon repère de voir comment les gens un peu moins forts s'en sortent, tu vois. Et bah justement, tu vois, on a 5 maps à tester ce soir, Sardoche. 5 Attends, t'as fait 5 maps? J'ai fait 5 maps. Sardoche. T'as fait 5 maps? J'ai fait 5 maps et le concept est tout nouveau, mesdames et messieurs, puisque les 5 maps font moins d'une minute, mais il y en a 4 des 5 qui font moins de 30 secondes. Mais du coup, tu vas en supprimer d'ici la cup. Alors voilà, l'idée, c'est de se dire, on va voir lesquelles sont les plus pertinentes. Mais peut-être qu'on les laissera toutes, je sais pas. J'ai pas encore pris ma décision. Les maps s'appellent pouce, index, majeur, annulaire et l'or. Et l'auriculaire, pardon. Ah non, juste l'or ri, parce que QLR, c'est pas passé à cause des virgules. Et ben, ce sera l'or ri, tant pis. QLF. Donc on a pouce, index, pardon. Majeur, annulaire et l'or ri. Donc génial. Mm-hmm. L'or ri, yes. Et donc le concept du lore et du principe de l'histoire de ces cartes, messieurs, c'est qu'en fait, les 5 cartes sont sur le même circuit, mais on a fait 5 maps différentes. C'est un peu compliqué à comprendre, mais en fait, on a fait 5 maps dans une map, et juste, on a enlevé les départs et les arrivées à chaque fois qu'on voulait valider une autre carte. Et donc voilà, donc concept intéressant, mais les cartes sont pas forcément liées entre elles, mais en tout cas, en une carte, on en a fait 5. Vous allez comprendre rapidement. Donc on va aller sur le serveur 1 et on va faire 10 minutes de time attack par map et non pas 20 puisqu'elles durent toutes environ 30 secondes les maps, donc c'est beaucoup plus court, donc on va beaucoup tourner. Okay. Et voilà, donc on va commencer par pouce, évidemment, le premier doigt de la main. Enfin, imagine, hein, si t'avais pu développer quelque chose qui fait que chaque mate fait une route différente, ça serait quand même beau. Et ouais, voilà. Mais c'est nul à spectate. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est en vrai, on peut le faire, on peut tout à fait le faire, mais c'est nul à spectate. Du coup, serveur 1, c'est ça? Serveur 1, tout à fait. Eh bien, nous sommes prêts. Ouais, je suis totalement prêt aussi. Eh ben, tu sais, j'ai chopé un petit top 15 sur ta map trial, là, de merde. Elle est super, cette map trial. En fait, la première moitié est très agréable. La fin est relativement appréciable. Mais tu sais... Mais la partie avec les parasols, là, c'est un peu... Mais tu sais, quand Pathfinding Was Taken 2 est sorti, les gens ont beaucoup hurlé sur cette carte pendant une semaine. On a eu des... Mais non, c'est pas faux. Enfin, je sais très bien. J'ai vécu. Non, oui. J'ai vécu cette période. Non, tout le monde a gueulé comme aujourd'hui. Mais il y a des gens quand même qui étaient en mode... Tout le monde a gueulé. Tout le monde a gueulé. Les gens étaient en mode, mais qu'est-ce que cette carte de merde? C'est infinissable. Il y a que Bren qui va la finir en 2 minutes et tout le monde fera 20 minutes. Et finalement, les gens finissaient par prendre des points, etc. Et Bren n'était pas dans toutes les poules et n'a pas fait 2 minutes à chaque try. C'était plus agréable à run. Il y avait des petites transits qui étaient... Eh oui, mais ça, c'est à cause du syndrome du premier amour, Sardoche. C'est uniquement ça le problème. C'est peut-être ça. C'est le syndrome du premier amour. Rien ne sera aussi savoureux que la découverte de la map Trial Zerator, la première. C'est sûr. On a 5 maps ce soir. Merci, Exaillon. D'ailleurs, quelle surprise, Zerator, incroyable. Deux. J'ai eu un petit message de haut, ils vont peut-être me mettre dans la deuxième vague du haut classique. Mais alors j'ai entendu ça, c'est scandaleux. Oh là là. C'est scandaleux, je sais. Parce que je n'ai pas organisé de LAN sur le jeu. C'est juste scandaleux. Juice va vraiment rager là-dessus. Je m'attendais à ce que tu sois jaloux. Bon, honnêtement, Juice et Sardoche en sont au même point en termes de hype sur World of Warcraft. Ah. Après, c'est vrai que Juice a beaucoup plus joué dans sa vie, mais en termes de streaming et de publicité pour le jeu. Et puis il a pas loot les dagues à BFA. Donc moi je trouve il y a match. Après, j'ai beaucoup joué en OTLK, mais j'étais pas streamer à l'époque, quoi.
C'est vrai. Bon, en même temps, on était peu à être streamer à voter le cas, faut être honnête. C'est vrai que ça fait longtemps. Oh, alors, où êtes-vous? Vous êtes là. Ouais. Merci pour les 10 subs random. Attends. Merci beaucoup. Ah oui, mais du coup, ça allait. Merci. Oh, c'est pas caméra 7, il y a tellement de routes différentes. Bon, on va jouer. Hein. Eh ben oui, bien sûr. Voilà, il vaut mieux jouer parce qu'effectivement, en caméra 7, c'est. Ouais. C'est complexe. Pour le moment, on va rouler en fait, on verra après. Roulez, fiez-vous aux panneaux et aux checkpoints qui sont posés sur la map. Il n'y a aucun checkpoint piège, il n'y a pas des checkpoints qui ont été laissés et tout. Donc c'est honnêtement, il n'y a pas de piège. C'est juste des cartes assez courtes, des cartes de trajectoire. Honnêtement, il y a pas mal de tech pour être honnête. Ah mais ça c'est de... là c'est du Carl Junior ça. C'est ça, ça va être faut être du Carl Junior en effet. Attends, c'est le finish ça? Attends. OK. Ah, c'est le finish. Ah d'accord. OK, OK. Ah oui, quand je vous ai dit map courte, je rigolais pas. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc faut full speed là. Oh, on va se faire plaisir. Ah, ça, c'est des maps qui me plaisent, ça. Oh là là. De la tech, enfin. Let's go. Pas, ouais. Donc, attention, hein, y en a 5. Enfin, y a pas de réception de con, là. Ah, y a une petite réception à la fin à avoir, quand même. Hein. Mmh. En fait, c'est un angle, plus qu'une réception. Oui, c'est un angle, c'est un angle. Mais, Ah, y a des petits néos à faire, là. Plaisir. On est d'accord qu'on peut néo sur les plaques de métal, là, hein. C'est un peu infernal des fois, mais ouais, ouais, ok, ok, mais je sais que je sais que c'est un néo pas comme le, sur du béton quoi, mais ouais, c'est un peu bizarre, ouais. Ah non, c'est le même, c'est beaucoup plus que sur du béton en fait. Ah ouais, bah j'ai l'impression en tout cas. Ou alors je sais pas, j'en sais rien, nul, et ça m'étonnerait pas, hein. Non, c'est pareil. Non, c'est les mêmes néos, c'est juste que t'as moins de temps que celui d'en dessous. Bon, Wingo, celle-là est inquiétable, je pense, mais il y en a d'autres qui le seront peut-être. Je suis vraiment dégueulasse. Ça, c'est vrai que là, pour trouver un cut là-dessus, faut le faire. Ouais, parce que là, oh, j'ai bah vraiment... c'est énorme. Oh, j'ai freeze 3 secondes, j'ai réussi la transition. Ah, bah, moi, je peux dire que je suis bien allé en bas. Mec, j'étais dans un des CP, je me suis retrouvé dans l'autre. Alors que c'est frissé. Dégueulasse, Wingo, effectivement. Mais ouais, donc 21 secondes pour l'instant, pour spam. 21 secondes, je pense pas qu'on 22. Arrivera sous les 20. Oh là là, Sardoche local 3. Mais moi je suis un joueur tech, Zera, bien sûr. Allez, on va regarder Sardoche parce que Wingo est dégueulasse. Donc on va passer l'œil de son sur Sardoche. C'est un joueur cut, Wingo. Wingo, Wingo qui avance. Hein. Sardoche qui est 5ème, hein, qui n'est plus tout 3ème. Mais effectivement, non, là, là, mesdames et messieurs, sur ça, vous allez voir que les 15 premiers locals vont être pas à la seconde. Hein. Ce sera pas nous. Hein. Ce sera au 100ème. TK par les lags. T'es qu'à parler lag. Alors, ils sont en train de bosser là-dessus, Nadeo, et ça va déjà beaucoup mieux. Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué. Alors, mais il y a eu, de la... Non, mais par rapport au premier jour de la TM Cup, je te garantis qu'il y a eu déjà des mages. Ah oui, non, c'est sûr. Et que ça va déjà beaucoup mieux. Non, mais j'ai pas dit que c'était réglé. Apparemment, c'est lié à Steam. Mais je sais pas. Ouais, il y a beaucoup de trucs liés à Steam et à la friend list de Steam. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup moins de lag que vous, parce qu'en fait, j'ai toujours été sur Mania Planet. Et jamais moi, je suis sur Mania Planet. Hein. Ah ouais, j'ai des gigalogs. Okay. Ouais, ouais. Moi j'en ai très très peu, honnêtement. Hein. Quasiment jamais. Non, sur Steam, il faut se mettre online sur. Online, yeah. Online, bah, là, c'est vraiment la map où si tu néo drift pas, t'es perdu quoi. Ah oui, c'est zéro. Hein. Là, c'est, ouais, c'est perdu. C'est... Comment on est où? Alors pour faire un néo drift. Ah, ça va être les tutos. Le petit. Enfin, point d'exclamation est dans le chat, mais tu te rends compte, il n'y a pas de tuto sur YouTube en vrai. Oh, si, il y en a plein. Il y en a. Ouais, il y en a plein. Ok. Ah, je pense qu'il faut accrocher le CP ici. Peut-être, ouais, t'as raison, pour tourner plus vite. Alors, ouais, il y a un endroit où il faut accrocher, je pense. Un petit lag. Non, mais je suis exécrable, c'est grave. C'est très grave. Ah, oh, j'aurais pas dû. Oh, j'ai déconné, putain. Aïe, 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 Sardoche qui était presque. Non, mais en fait, j'essaie de réduire le airtime en passant le plus à gauche possible, mais c'est risqué. Je commence à voir la map dans... Bah écoutez, le premier local, c'est Artanir, suivi de Dog, suivi de Vulnera, Spam, Dark Orcs. C'est un joueur, un vieux de la vie, Artanir. C'est vrai. A chaque fois, il est à TK et il choque. Alors que c'est un très bon joueur, j'aimerais bien le voir une fois. Dommage. Vas-y, go spec Wingo. En fait, ce qui est plus dur sur les plaques, c'est que t'es obligé de néo, tu peux pas juste lancer un drift avec la vitesse. Ah mais c'est la même adhérence que le béton, mec, hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas drift tout court en fait. Mais ça, c'est parce que t'as pas la speed, non? T'as pas la speed, juste. Je pense que t'as pas forcément la speed, parce que t'arrives pas si vite. Hein. Oui, il te manque 2 gears là pour. J'avais pas mal de speed et j'ai juste. Il manque 2 gears. Oh bah, excusez-moi. Ouais. C'est énorme. Je peux lock 1, easy. C'est parti. Ah, il manque un CP, je crois. C'est pas de chance. Ah oui, non, faut pas oublier de passer dans certains checkpoints. Ben, le joueur tech qui vient de lâcher un 21. Ben Sword, 21-143. Très très beau, très très bon. Bon, déjà, il n'y a plus que deux locals qui sont au-dessus de 22. Donc vous voyez, ça se resserre. Hein. Un seul local au-dessus de 22. Ah, on est passé sous les 21 même.
Bon, Yanex. Eh, mais Yanex, cette année, le niveau de Yanex. Il est chaud. Oh, t'as eu de la chance sur ta réception, Sard. C'était dégueulasse. Non, mais en fait, on, faut pas grid, faut passer par la droite. Soyons humbles, un peu. Soyons humbles. Soyons humbles. Bon, c'est bon, moi, je commence à avoir les trages, là, à peu près. Ouais, mais ça, c'est... Alors, mes chers amis, les débutants, ça vous faisait peut-être plaisir d'être... millième sur la map trial en finissant la map. Dans celle-là, vous serez 10 millième. Ouais. Ça va être... Mais vous arriverez à la finir. Ça va être la même chose que la Z-LAN, la ligne droite, là. C'est ça, exact. On se voit à la cup. Un bon temps, impatient d'y aller. Merci à Yumi22. Bon, est-ce que vous avez suivi la vente des places, messieurs? Oh ouais, 4000 places en 30 minutes. Incroyable. 5000 places en moins d'une heure. Et à l'heure où je vous parle, il y a 5882 places achetées pour le Zénith de Strasbourg. Sur 8000? Sur 7500. Okay. Donc il reste, ouais, ça, il reste moins de 2000 places. Et on a, pour vous donner une idée, à Toulouse, il y avait 5035 personnes assises. Ouais. Non, donc il y a déjà 850 personnes de plus. Mais tu sais qu'en plus, c'est incroyable. À Toulouse, c'était pendant les demi-finales du foot. Il y en a peut-être. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'était le jour des demi-finales de la France pour la Coupe du Monde. Contre l'Argentine. Exact. Ou au quart, je sais plus. Bah perso. Donc, content. J'ai dit à mes viewers, j'y serai et j'aurai du temps, contrairement à LAN où j'en ai rien à foutre de prendre des photos. Là j'aurai le temps. Ah bah ça tourne, le spectacle dure 4 heures et on peut arriver un petit peu en avance. Oh, c'était les 8e de finale même, effectivement, pas les 16e de la France. Bien. En effet. Avec un magnifique, je crois, 4-1, c'est ça? Ou 4-2. 4-2, ouais. C'était trop marrant d'ailleurs parce que le match s'était passé pendant qu'on était au Zénith et en fait on n'avait pas le droit de le retransmettre, du coup il n'était pas retransmis, mais tout le monde prenait l'info sur son téléphone et du coup à chaque but le Zénith hurlait alors qu'il y avait le but diffusé nulle part, du coup c'était assez drôle mais comme ambiance. C'était trop 4-3, c'est vrai. Avant. 4-3, c'était, 4-3. C'était avant que ça commence. C'était juste avant la Trackmania Cup, ouais, ça s'est fini genre 30 minutes avant, un truc comme ça. Même qu'on flippait en régie parce qu'on se disait s'il y a des prolongations, ce sera en même temps. Et donc on espérait qu'il n'y ait pas de prolongation et encore moins de tirs au but parce que là ça aurait été en plein milieu dans le truc. Mais c'est vrai que du coup ça a fait une ambiance hyper rigolote à Toulouse avec le match, c'était trop rigolo de voir tout le monde être... Et nous à la régie on s'était mis le match là derrière, on regardait. C'était marrant. Oh, tellement close. Alors Wingo, t'es où dans les locaux là? Ah si t'y es, t'es 4ème. Oh nice. Alors ça y est, il faut faire moins de 22 secondes pour être dans les locaux et moins de 20 secondes pour être dans le top 3. 21 pardon. Moins 21. C'est technique, hein. Est-ce que t'accroches le CP ou pas du coup? Non. Full Néo. Tu Néo. Attends, t'arrives à Néo sur la... Okay. Ouais, tu peux faire vraiment des Néo à basse vitesse, mais... Oui, c'est vrai qu'il y avait eu la Marseillaise dans le Zénith de Toulouse à la fin du match, c'est vrai. Oh là là. Non mais vraiment, hein. Le lancement Zénith Toulouse était incroyable l'année dernière. Ah ouais, c'était un truc de fou, hein. Parce que vraiment, c'était fan match into lancement de... Team Cup. Vous spectatez, vous regardez, mesdames et messieurs, actuellement, Yanex, record du monde sur cette carte. Comme vous pouvez le voir, ça passe très très proche des CP, ça Néo. Et alors pour la fin, on réduit le airtime le plus possible. Des Néo de partout. Non mais en fait, faut que tu dises à tes viewers que les joueurs sont nuls à chier sur les maps Zerator. Et là, c'est une map qui est un peu différente des maps Zerator. Ah oui, totalement. Oui, du coup, là, c'est une map tech. Un vrai skill en fait. Là, c'est une map tech. Et là, vous voyez des gens qui sont habitués. Non, vous voyez pas un vrai skill. Vous voyez des gens qui sont habitués et qui donc prennent leurs aises plus rapidement. A l'inverse, dans les maps que je fais moi, il faut plus d'entraînement parce que c'est des maps beaucoup plus atypiques. Et donc il faut beaucoup plus de temps. Mais il faut effectivement aussi du vrai skill. Il faut du skill partout dans Trackmania de toute façon. Ouais. Il n'y a pas d'aléatoire. La différence c'est que là, c'est un style de jeu que connaissent beaucoup mieux les joueurs. Et donc sur lequel ils sont beaucoup plus à l'aise. C'est ça la grande différence. Voilà. 21-162 pour Yanex à l'instant. Vous voyez ce temps hein, qui est typiquement 5ème world. 6ème world même. Ouais. Ça sonne bien 8ème world quand même. Après attention, on est à, je dis 8ème world machin, mais on est une centaine sur le serveur et pour l'instant la map n'est que sur ce serveur là, hein, donc voilà, faudra attendre un petit peu. Les maps vont arriver sur le serveur. Personne la tryhard, les gens sont déjà dégoûtés putain. Eh oui, mais c'était pareil l'an dernier quand la map trial est sortie. Je comprends pas. Là il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais c'est n'importe quoi, on la finira jamais et tout. Et puis vous verrez, je pense qu'il y a des gens qui vont régu des 4 minutes, des 3 minutes 30. Ça, non, va non, ça va régu 2.30 mec, vraiment. Facile. Non, pas 2.30 parce que 2.30 ça. De toute façon, le seul obstacle vraiment killer, c'est la transition sur la bordure bleue. Je l'ai 100% alors que j'ai pas le reste. Tout le monde va l'avoir, je te jure. Ah non, vraiment. Non, mais le problème, c'est vraiment, la pression. Ouais, mais en fait, il va y avoir un reset CP, t'as une speed qui est décidée, tu vois. Ouais, pas vraiment. Bah et écoutez, je prends mon chat en témoin. Suis-je régu? Oui, voilà. Bon, merci. Ouais, après attention, hein. On n'est pas en round, on n'est pas le jour des qualifs.
Attention, attention, hein. Ah non, mais oui, par contre, ceux qui vont le régu en full speed sans reset OCP, ça c'est de la folie, et ça, il y en aura très peu. Ah, world record de Yannex, 20628, excusez-moi, j'avais pas vu. Par contre, c'est quoi que t'as changé pour que ça reset? Comment ça? Sur la map trial, t'as changé quoi pour reset les logos? J'ai changé la fin. À la fin, ils avaient trouvé un cut où tu allais à l'arrivée directe au lieu de taper dans le mur, et je trouvais ça plus marrant de taper dans le mur. Mais cela dit, la fin est plus complexe maintenant. Avant, la fin était vraiment quasiment free. Vraiment dur, Faut bien prendre la langue pour... Avant la fin, vraiment, elle était quasiment gratuite, et là, je l'ai changée, et elle est maintenant assez complexe, en vrai. Et elle est tout à fait ratable. Ouais, là, j'avoue, 3 Exalted dans le top. Allez! Donc le deuxième doigt de la main, messieurs, le deuxième doigt de la main. Quelle est-elle? Quel est-il? L'index. Donc on passe sur index. Alors, will start. Oh, si tu l'avais appelé Udex, comme le buzz de Dark Souls. Non, index, on a respecté le nom, évidemment. Donc deuxième map, index, messieurs. Qu'est-ce que c'est que ces parasols là? Êtes-vous... Non, il n'y a pas de parasols. Il n'y a jamais vraiment des parasols dans les maps. Où est Wingo? T'es combien, Wingo? Ah, t'es là, 100. Je sais pas. Tu es 100. Ok. Bon, j'ai vu un peu la map, mais... Tu étais 100. Pile 100. 100. 100 de la veine. Exactement. Ce sont des arbres. Oui, c'est pas des parasols, c'est des arbres. Oui, quand Junior appelle ça des arbres. Bon, Wall It ou pas? L'autre côté, par contre. Bon, ouais. Ouais, si, si, l'autre côté. Hein. Totalement l'autre côté. Bon. Alors là, ça va pas trop vous plaire, mais au fur et à mesure... Allez, premier cut. Énorme, Wingo, ce que t'as fait, trop bien. T'as vu, mec. Mec, c'était trop bien. Attends, j'ai adoré. Régule-le, s'il te plaît. Jamais je l'enlève. Mais attends, mais tu peux passer au-dessus, on est d'accord? Jamais je l'enlève. Tu peux passer au-dessus, ouais. Et c'est quoi le cut, du coup? Bah, c'est ça, c'est qu'il est passé au-dessus. Ah, ok. Qu'est-ce que c'est que ce saut? Ah oui, non, mais là c'est compliqué, là. Ah ouais, c'est un peu compliqué. Ah non. Alors là, Wingo, faut taper à gauche. Tu tapes à gauche le bord blanc là. Non, bien avant. Moi, je pense qu'il faut taper le bord. Non, pas comme ça, pas comme ça. C'est de la merde, ça. Ça, c'est de la merde. Alors, Wingo, ça. Ah, faire demi-tour. Oui, il y a des panneaux, Sardoche, enfin. Ouais, non, c'est pas si évident. Hein. Mais il y a des panneaux. Ok. Et on grasse light, c'est les arbres pendant qu'on est. De quoi grasse light? Non. Il y a pas d'herbe dans cette map. C'est bizarre cette map. Bah, c'est un peu moins tech tout de suite, hein. Ah bah y'a la fin qui est un peu plus complexe. Bon, on est d'accord. En théorie tu peux grass tête sur le bitume, c'est pour ça. Oh, si. Et tu vois là, Wingo, tu tapes le bord blanc avant le checkpoint. Le bord blanc de gauche là. Oui. Ouais, ou alors attends, comme ça. Quoi, non, ça c'est bien, ça c'était bien, ça c'était bien en vrai. Tu vois là, attends, tu tapes le bloc blanc. Mais non, pas ça. Le truc au-dessus. Le grand truc au-dessus, tu le tapes avec ta roue arrière gauche. Avec ta roue arrière gauche, tu le tapes. Et en fait, tu vas rentrer. Tu vas rentrer quasiment tout droit dans le CP, tu vois ce que je veux dire? Ouais, un truc comme ça, mais mieux. Oh, mais attends, mais pourquoi comme ça, t'arriveras droit. Mais je sais pas si c'est la bonne trage, on verra. Hein. Parce que ça, c'est pas mal ce que tu fais là. Ce que tu fais, ça, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ah, mais c'est ça que je me prends, je suis complètement attardé. Attends, t'as... Mais le danger de ça, Wingo, c'est que si tu. Si t'arrives pile à. Oula. Si t'arrives pile à la perpendiculaire, tu perds trop de speed. C'est ça le danger de ta trage. Ouais, ouais, c'est sûr. Avec tes ombres de con là. Je voyais pas l'herbe. Mais y'a pas d'herbe. Mais quelle herbe? Non mais le trou dans la ville. Ah oui, le trou. Il est dans l'ombre, je voyais pas. Et oui, parce qu'en plus il y a un poteau, c'est trompeur. Ah là là. Ah oui, tu t'es dit qu'est-ce que je me prends dans la gueule? Ouais, je comprenais pas pourquoi je décollais. Ah par contre Wingo. Ouais, j'ai essayé de taper le truc en fait. C'est quoi là? Bon, je me suis dit je le tape en plein dedans mais. Ah non, le demi-tour est dégueulasse. Alors comment ça se passe pour les premiers là, les world records? On va regarder un petit peu. Bon. Oh, pas mal. On peut enlever les ombres? Oui. On peut enlever quoi, les ombres? Oui. Non. Je crois pas. Hein. C'est dommage. Y'a pas cette option. Tu les mets très faibles à la limite. Pour regarder Yannex actuellement top 2. Top 2 world. Il suffit de spam. Oh, si pour erreur Artanir ou Yannex en finale, ce serait tellement beau. Ah, c'est possible, hein. Yannex, c'est possible. Artanir, on l'a moins vu dans les autres locaux, je trouve. Mais moi, la pièce 7 sur Yannex, pas impossible, hein. Mais le truc, c'est il est avec qui Artanir en fait? Ah oui, c'est vrai que c'est en 2v2, ah, c'est chiant. C'est vrai que c'est chiant ça. C'est vrai qu'il faut pas être fort, faut être fort à 2. Ah ouais, c'est vrai qu'il faut être 2, ah ouais, c'est con ça. Il est avec Xerar. Xerar, très bon joueur aussi. Xerar. Quelle équipe? Exalti aussi? C'est une bonne transi ça. Je crois que maintenant oui. Hein. Parce qu'avant non. Oh Yannex, bah alors. Yannex, il s'en bat les couilles, passe par l'herbe. Mais c'est moins rapide. Faut juste freiner, non? Sur la côte. Ce lag.
Le 8, ça me paraît too much. Wally, tout ça? Au début, en fait. Oh, pas mal, ça. Wally, au début? Ah ouais, pour prendre la boss mieux. Je pense que c'est pas bon. Je pense qu'un release est plus efficace. Je sais pas. Je vais voir. Comment ça, merci, Bren, pour le lag. Ah, y'a Bren qui vient dans le channel, hein. Bren, si tu veux venir dans le palais, je crois que tu peux tout à fait, donc n'hésite pas. Y'a Cyril aussi qui a 21-8. Cyril 21-8, ok. Après, on n'enlève pas les dons comme avant, mais personne n'a jamais. Ah, y'a Karl aussi, mais pourquoi ils viennent pas? Mais venez! Attendez, je vais leur dire, c'était en duo. Comment veux-tu t'aimer encore? Ils veulent rester en team. Ok. Ils arrivent. C'est vraiment les transitions qu'on déteste, ça. Dommage. Ah, Karl qui a raté la map tech, il va encore dire qu'il me déteste et qu'il y a que des maps de merde. Ah là là, s'il savait. S'il savait. Attends, Karl Junior, c'est Karl. Putain, non, mais j'avais pas compris. Quoi? Non. Non, okay. Non, non, c'est pas lui. 8ème local. SLI Karl. Ok, ok. Ah oui, non, parce qu'il y a un mec qui se fait passer pour lui. Quoi? Ah bon? Non, rien. Bah non, mais il y a un mec qui s'appelle Karl Junior. C'est marrant. Junior, ah putain. Il écrit, j'arrive dans le chat. Karl Junior, ah ouais, ouais. Non, mais non, du coup. Ouais. Du coup, non. Vraiment, ouais, non. Est-ce qu'il est régul cut ou pas? Non, je l'ai... en tout cas, je le vois chez personne, mais même en le régu, je sais pas si c'est mieux, hein, en vrai. Ouais, ah non, c'est nul. Hein. Alors que Bren vient de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Salut à toi, Bren. Pour l'instant, muté, mais je suis sûr qu'il y a un jour, il va nous dire bonjour. Ouais, salut. Salut, Bren. Yo. Salut, désolé. Pas de problème. Alors, 5 nouvelles cartes, Bren, aujourd'hui. Ok. Et c'est actuellement la deuxième. Oh, y'a Funibert en deuxième! Les doigts de la main. Yes. Le teammate de Cyanix. Quelques lags, mais tranquille. Je comprends pas. T'as vu la team Domi du coup? Incroyable. Pardon? Le sponsor de Dominico. Ouais, Dominico. Évidemment. Il m'en avait parlé un petit peu avant. Trop cool. Je trouve ça trop bien. Bad Lulu et Coco. Bonne équipe. En vrai, ça va. Il a pas pris des joueurs au Canada, quoi. Ça lui coûte moins cher. C'est vrai que c'est cool. En même temps, on les défraye, hein. Ah oui, ça va en plus. Sponsor gratos s'il se qualifie. Hein. Excellent ça. La team Pax, bien sûr. Yes. Oh, alors, ouais, j'ai le meilleur CP sans Wallet au début. Ouais. Bon, le reste est à chier, mais bon. Bon, alors, Bren. Oui. Je te vois pas dans les locaux là. Oui, je fais mon timide pour l'instant. Ah, il fait son timide. Ah, Ayako vient de passer deuxième. On va regarder Ayako, hein, parce qu'il doit savoir mieux. Hein. Ayako vient de passer deuxième. Ah, là, je regarde Artanir actuellement, qui est first. On va voir ce qui se passe. Il vous reste 3 minutes de testing, mesdames et messieurs. Ouais. Est-ce que du coup, ces maps seront jouées moins de rounds en compète, genre 2 rounds et t'en enchaînes 3-4? Ah non, 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 pas du tout. Oh, c'est infect. Pas ça. du tout. Excuse-moi, alors, j'avais pas vu ton don. Excuse-moi, c'est maniaque. Non, non, c'est pas le but du tout. Il y a Hugo 220 ouais, qui était vraiment chaud l'année dernière. Là, on le voit un peu moins, mais il est quand même. Il est là, il est 3ème. Coéquipier de. D'un très bon joueur, je sais plus. On en a parlé hier justement. On disait qui est le coéquipier de machin et on m'a dit Hugo 220, c'est. Yannex. Oh, tout à fait, Yannex. Ouais, c'est Yannex. Ouais. Yannex et Hugo 220. Fou, ouais, c'est une team de fou. C'est une team de fou. Ouais, c'est une team de fou. Ça va être trop bien cette team, mec. Elle veut tellement aller chercher des points à Bren Karl. Oh là là. Ouais, oh, Yannex Hugo 220, c'est vraiment une très bonne team, c'est vrai. Ah, Ayako, il fait un truc. D'autant que, mesdames et messieurs, il y a le double de team cette année. Tu sais qu'Ayako, mec, il tente un truc là. Ah ouais? Il tape le poteau. Il tente un truc, ouais. Je vais regarder. Non, non, non. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En fait, il essaye de ne pas faire le virage, en fait. Hein? Attends, tu vas voir. C'est compliqué. Ok. Mais c'est Ayako en même temps. C'est la fin moi que je comprends pas. Essaye ça en fait. Ah ouais, mais Yannex fait comme ça. Hein. Ah ouais? Ouais. Enfin pas à ce point, il coupe pas à ce point, mais c'est l'idée de se servir du saut pour aller en mid virage. Ah non, mais je crois qu'il veut faire un 360 Ayako en fait. Ah, pour arriver direct au CP limite, c'est ça? Non, il veut faire un 360 et pas perdre de vitesse. Ou limite, il veut faire un grass slide à l'atterrissage. Ouais, mais il faut avoir le checkpoint quand même. Ah. Ouais, mais je sais pas. Moi je dirais qu'il faut taper le poteau à l'horizontale. Hein. Par en dessous, ça fait coller à la route, c'est hyper rapide. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu tapes le poteau qui est au milieu, tu rebondis et t'es au sol direct, ce qui fait que t'as max speed.
Ah, hey, Carl Junior, local 4. Qu'est-ce qu'il fait, Carl? Il fait son timide, là. Tu lui as mis trop de map de Earth, mec. Il a le seum, il a raison d'avoir le seum. Tout le monde a le seum. Tout le monde a le seum pour ses propres raisons. Moi, ça me va très bien. De toute façon, c'est une cup pour les spectateurs, de toute façon. Mais oui, évidemment. Ok, ouais. Les joueurs ont qu'à pas s'inscrire. Hein. Oh, mais putain, j'ai con. Oh là là, il faut. Non, non, par contre, je viens de faire le truc parfait. Oh, non, non, c'était insane. Je pense que je vais avoir un bon temps, du coup. OMG, guys. Oh putain. Non, mais sérieux, je viens de faire un truc, ça existe pas. Ah, mais ça, c'est difficile pour la régu. Hein. Ah, ouais, mais c'était. Je pense que ça se régule. En fait, j'ai sauté, j'ai Maru qui a accroché le trou. Et ça m'a remis un stand droit. C'est Maru arrière qui a accroché le trou, tu vois. En fait, j'ai pris le trou qu'avec la roue arrière. C'est un dommage. Ce qui fait que ça m'a remis droit direct, tu vois. Ok. T'es qui sur la je fin. Je pense que ça se régule. Par contre, la fin, je sais pas du tout comment la faire. Mon local 17 pour ma part, les amis. Ah, y'a Carl Senior. Ah, c'est son père qui joue. Non, mais si, c'est vrai. Le père de Carl, il s'appelle Carl Senior dans le jeu. Ah, il joue vraiment? Oui, il joue vraiment en tant que mania. C'est vrai. Parfait. C'est quoi votre trash pour la fin? Tsardosh, il est là, ok, 21. Dommage. 21-584. Dommage. Carl Junior est arrivé, mesdames et messieurs. Tant que j'ai moins d'une seconde sur le premier, ça. Map suivante. Alors après l'index, après l'index, messieurs. L'annulaire? Et non. Le majeur. Le majeur, bien sûr. Yo. Salut yo. Carl, qu'est-ce qui s'est passé avec ton père, là? Bah, il voulait try. Ok. Il est trop fort. C'était Carl Senior. Bien sûr. Donc majeur, troisième map de cette série de 5 maps. Mesdames et messieurs. Ah, le starter, il est là, ok. Je le trouve pas, moi, Tu vas le trouver, vous allez le trouver. Ah, il est là. Il est au sud. Oh, elle a plus rigolé de celle-là, déjà. Alors là, ce sera... vous allez voir. Oh, un petit une tête barrière. Oh, une poutre. Quel plaisir. Ça, moi c'est mes blocs préférés, ceux-là. C'est pas vraiment une poutre. Ah, on a Kenny également, si Kenny veut venir en vocal, qu'il n'hésite pas. Ah bah oui. Attends, on commence à être beaucoup là, c'est que cette réunion là. Mais pas de problème hein. Qu'il vienne. Alors... En regardant actuellement Artanir. Même si en vrai, on a pas de problème. Alors là, ça va être un problème de caméra, mesdames et messieurs. Sauf pour évidemment les caméras 3. Là, si vous jouez en 4 tiers et en caméra 3, normalement il devrait pas y avoir de problème. Force les gens à la caméra 3, c'est ça? Non, caméra 2 ça passe en vrai aussi. Ah, Kenny qui arrive, je crois. Je vous vois pas, vous êtes où? À Bren, première place. Caméra 2. En moins de 30 secondes, mesdames et messieurs. Ah, caméra 2, c'est bien, ouais. Ok. Zéver tes poutres. Mais la vitesse de Bren sur les blocs bleus, j'ai envie de mourir. Oui, bon là. Bon là, voilà, mais quand même quoi. C'était quand même incroyable. Bon, Bren qui est passé sous la barre des 30 secondes sur son first try. Son premier finish. Funny Bear vient de passer en premier sous la barre des 28 secondes, mesdames et messieurs. 27-940. C'est quoi la fin? C'est où? Funny si rapide. Il y a des panneaux, Sardosh. Mais ça dit d'aller à gauche et à gauche il y a un. Mec, hein, tu trolls, c'est mais bon non, aussi. Non. Comment ça, aller à gauche? Ça a dit d'aller à gauche à la fin, j'avais 26 quoi. Mais bah quoi? Bah faut aller à gauche alors. Mais non, c'est à droite. Ouais, parce qu'en fait il y a une cutway. Quoi? Ah, c'est. Bah non. Elle est plus rapide la cutway du coup. C'est pas en bah, dessous. Bah écoutez, ça vous allez me le dire. Ok. En fait pour moi il y a une méga cutway. Mais je sais pas si elle est prenable. Ça c'est plutôt un truc de Bren ou de Carl qui vont devoir me dire. Qu'est-ce que tu. Je sais pas trop. Ça va, Carl? Mais quelle Allô bête! Ça va? Mais je sais que c'est droite, je sais, mais il m'a dit qu'il y avait une cutway à gauche. Oui? 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 C'est des nouvelles cartes, Carl! Ben je vois ça, des longues cartes! Alors là, Bren, tu vois, si tu fais full. Là, si tu fais droite, je sais pas si tu peux arriver sur la route du haut. Ah, je pense pas, c'est vachement haut quand même. Hein. Je pense que c'est un peu. En tapant la bordure, genre. Ah oui. Je sais pas, je me le demande. En faisant 360 et en tapant la bordure, super. Mais en vrai, moi je pense quand même que la route la plus rapide, c'est quand même d'aller en haut, mais du coup en freinant un petit peu pour le saut avant. Bref, ça. Ah, c'est-tu du premier? Ouais, bah oui.
Ouais, non. En fait, enfin, si. Difficile à expliquer. Mais exactement. Mais en gros, au lieu de sauter et donc d'arriver sur le bas de la route, tu freines un peu et tu vas direct à droite et tu prends la wave d'en haut. Est-ce que là j'ai bien expliqué? Je crois que oui. Mais bon, faut avoir la map dans la tête pour comprendre. Oh, Dark Orcs GP 27, en dessous de 27. Sub 27. Sub 27, c'est pas mal. Aïe aïe aïe, la fin est bizarre. Il est vraiment fort, Orcs GP. Orcs GP, c'est la team. Moi j'aime bien dire. En fait, ce qui est bien avec ce mec, c'est que tu sais pas quelle est sa team et quel est son nom. Du coup, maintenant je dis Orcs GP tout le temps. C'est la team Insect, la team Dark, la team Orcs et la team GP. Du coup, je préfère dire c'est Orcs GP. Parce qu'en général, comme on met le nom de sa team puis son pseudo, moi je dis qu'il s'appelle Orcs GP. Quel bonheur, ces barrières bleues, elles sont trop bien. Voilà. Alors que ces poteaux. Pourquoi vous dites non, poteaux? Les tuyaux, c'est plus fin. Mais je sais pas pourquoi. En vrai, ces barrières bleues, elles sont plus buggées que les poteaux. C'est pas vraiment buggé. Enfin, le nombre de rebonds bizarres que tu peux, c'est plus. C'est pas des rebonds bizarres. En même temps, tu vas trop vite, toi, normal aussi. Je peux te garantir, si tu vas à 20 à l'heure, il y a zéro bug, hein. Ah, je pense que c'est la fin qui m'en fout le speed à celui-là. Si tu vas à 20 à l'heure, il y a zéro bug. Mais c'est vrai. C'est vrai. Putain, mais il zappe la transi, je le déteste. Tu vois là, Bren, tu vas juste à droite. Voilà, là, exactement. Ouais, tu zappes vers la gauche. Et là, tu vas arriver. Et je pense que c'est la meilleure trage en vrai. Oui, je suis d'accord. Sauf si t'arrives à avoir le saut direct. Mais alors là, on discute de. Le saut direct, ça me paraît vraiment très difficile. Ça me paraît impossible aussi, mais je me dis sur un malentendu. La barrière empêche de prendre de la speed. Après, peut-être que justement, faut prendre la barrière normalement, en mode noob, pour prendre. Franchement, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. C'est à vous de me dire. Jouez et dites-moi. Hugo 220, 26 640. Carl Junior 27 392. Tulip tilulup, tulip tilulup. Bon, en tout cas, pour l'instant, on est sur la troisième map et aucun breaking cut, alors que j'avais très peur avec les structures de cette carte. Pourquoi je dis non quand la map vient de sortir 3 minutes, comme si j'avais raté un bon temps, genre NON. Oh, c'est loose. J'aurais dû laisser les fins de chaque map, comme ça, c'est comme dans Golf It, tu vois, on peut utiliser les trous des autres maps. Y'a les autres fins. Ah, y'a les autres fins. Y'a les autres fins, mais elles sont tellement loin qu'en vrai... c'est pas utilisable. Ouais, c'est pas grave du coup. Il y avait une map où il y avait une fin beaucoup trop près et j'étais en mode ouais, non, je vais pas la laisser celle-là. Ah, t'aurais dû. Non. Parce que ça. Bah, c'est celle-là d'ailleurs, je crois. Mais finalement, j'ai rajouté un checkpoint donc en fait, ça aurait été. C'est une bonne map, ça, Zera. Bonne map. Merci. Pas de tuyaux, pas de boue. Alors, je crois que c'est la map suivante où il y a des tuyaux, il me semble. Ah, great. Mais la première map, c'est que du tech. J'ai regardé en rentrant. Tu vas kiffer. Je te crois tellement peu. Non, je te jure, c'est du tech, mec. Ouais, c'est vrai en plus. Tu vas vraiment kiffer. Je crois tellement peu, man. Bren me dit que j'allais aimer la map d'hier. T'as vu la map d'hier, gros? Oh, mais là, c'était du problème. Tu vas pas commencer à t'énerver, hein. Calme-toi. Ouais, c'est ton teammate là. Oh, man, j'ai envie. Non. Il y a une rush dans mon écran. Je comprends. Non, mais il s'énerve, oh là. Non, mais si tu me fais une map tech. J'ai envie de te faire un gros câlin. Je t'ai pas fait à toi une map tech, mais c'est vrai que malheureusement elle se rapproche d'une map tech, effectivement, oui, voilà. Tu l'as appelée comment? Elle s'appelle Pousse. Trivial. Merci Kendoman pour les 2 ans de sub. Oui, Pousse. C'est les 5 doigts de la manque. Quoi, Bren? C'est les 5 doigts de la manque. Là, tu vois, c'est le majeur là. Là, il y avait l'index justement. Là, c'est le Pousse. On a fait Pousse, index, et là vous êtes sur majeur. Et après, ce sera annulaire. Et voilà. Et après Lori. Et après Lori, parce que l'auriculaire ça passait pas pour Trackmania. Et voilà. Tant pis. C'est vraiment une bonne idée ça. Bah ouais, c'est vraiment une bonne idée. T'as raison. Bon, du coup. Il est d'un viewer d'ailleurs. Il est nickel hein, le jump à la fin. Alors il a fait combien, Bren, avec son temps là? Top 5? Pas mal. Ouais. Nice time, man. Oh non. Nice time, man. Merci. J'essaie de full speed le début, je n'y arrive pas. Oh, Yannex, sub 26! Ah, c'est trop difficile. Rendez-vous compte, Yannex, hein, qui met une seconde à Bren. Hein. On se rend compte des gens qui bossent vraiment les maps. Sont les favoris ne sont pas ceux qu'on croit. Hein. Mais bien sûr. Kenny Sardoche, vraiment solide. Arrête, c'est bon aussi. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est bon aussi, t'as dit. Oh putain.
Alors je vous rappelle, je sais pas si vous saviez, mais demain, il y a une grosse soirée round organisée sur le stream de Domingo. Et j'en profite pour le puber parce qu'il m'a dit qu'il voulait organiser ça. Et du coup, je ne streamerai pas du Trackmania pendant sa soirée round. Et je streamerai après. Et il va organiser avec Badlulu et Coco et d'autres joueurs. Je sais pas qui est invité ou quoi, j'ai pas du tout organisé le truc. Mais voilà, donc demain ils vont faire un gros stream en round sur toutes les maps de la Trackmania Cup. Et voilà, donc c'est demain sur le stream Domingo. Non, je serai pas forcément en vocal, par contre je vais regarder, ça va je pense. Être trop marrant, oh, ça va être trop drôle en vrai. Je vais complètement regarder parce que ça m'intéresse. Oh, Bren Yannex, pardon. C'est Yannex, il est passé. Excusez-moi, j'ai tellement l'habitude de spec Bren. Yannex a fait le saut. Yes. Ah, il a réussi? Oui, mais genre ici en plus. Hein. Est-ce que avant il avait pris le saut de la transition? Non, mais du coup, j'ai rien regardé parce que j'étais tellement surpris. J'ai rien regardé à comment il avait fait. Mais t'as le clip. J'ai tellement l'habitude. Non, mais il va le refaire. C'est comme ça qu'il a dû faire son 25. Et Wingo, tu l'as fait aussi, non? Pour faire 25-628. Oui. Mais voilà, excellent, ça passe. Et il dit rien, putain, mais c'est grave. Je l'ai dit tout à l'heure, mais personne. Alors, non, ils prennent pas la barrière. Hein. C'est juste du full speed à partir du turbo en faisant un très beau virage. Un petit néo drift, genre? Non, même pas de drift en vrai. Ah juste, ah oui, un virage full speed, ok. Un virage full speed en mode full droite et sans dérapage. En étant bien sur la gauche du turbo au début, oui, tu vois. Bien sûr. Et du coup t'as assez speed et tu peux cut. Exact. Ah, ça passe, je suis content. C'était le but, hein, pour être honnête. Mais j'avais pas réussi à le faire dans l'éditeur, mais je me suis dit ouais, ça passera. Nice. Cet instinct de mapper. C'est mapper nul au jeu, mais de mapper. Bien sûr, évidemment. C'est mon moyen de faire cette 25. Spam apprend le français. Bon, je pense pas que ça va être rigu pour moi du coup. Kill que les maps parce qu'il a peur en de fait, rien si comprendre. Si tu réussis un truc, je peux se qualifie. Hein, si tu réussis pas un truc, je peux pas le faire. J'ai compris. Dieu. Eh bien la map, est vraiment bien. Oh là là. Écoutez-le. Oui, monsieur. Y a pas de dirt, y a pas de tuyau, comment ne pas être heureux en fait. Je crois que dans la map suivante, vous serez moins heureux, mais après tranquille. Yes. J'aime bien moi quand tu parles de poteau et tuyau. Oh, bah, putain, Wingo, record du monde. Yes. Oh, le monstre. 25-628, oui, Gobert, record du monde. Incroyable. C'est quoi du coup ton pseudo là? C'est Wico Bert. Pourquoi? Proposé par Étoile. C'est vrai, on comprend pas. Pourquoi Wico? C'est quoi Wico? Je connais pas. Parce qu'on parlait de boutique, qui me disait lance des téléphones Wico. Voilà. Ah ouais, d'accord. Oh là là, c'est deep quand même. Hein. Ouais, c'est deep blague. Hein? 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 C'est quoi Wico? Une marque de téléphone. Ok. Il arrive, il agresse tout le monde. C'est quoi Wico? T'es là, ok. Pas de problème. C'est bon, pas de problème, Carl Junior. Donc là, annulaire. Annulaire! Allez! Marque française. Ouais, d'accord. C'est marrant, ça ressemble un peu. Là, du coup. Il est où le départ? C'est laquelle? C'était le claqué au sol. Ah oui, elle est bien celle-là. Ah, je l'aime bien celle-là. S'il l'aime bien, c'est que c'est chiant. Allez. Mais pas du tout! Oh, c'est bon, on a compris. Hein. N'importe quoi. Ouf. Enfin, ça, c'est mon nom préféré. Voilà. Ah, mais t'as mis un cut à la fin. Arc! Mais qu'est-ce que je regarde? Oh non. Ah, si, ça va. Mais arrêtez de rager! Arrêtez de jouer! Y'a pas ce que tu penses. Non? Y'a un CP après le loop? Oui. Ok. Au lieu de regarder, jouer. J'ai vraiment eu peur. Non, y'a un autre CP plus loin. Jouer au lieu de regarder. Vous pensiez qu'on devait descendre du looping? Oui? Ouais, c'est ça, dans le finish, en release. Mais Wingo, qu'est-ce que tu fais? Quoi, je teste directement mon idée et en plus elle fonctionne. Putain, c'est de la bombe! Bravo Wingo! Thank you. Bon, faudra modifier. C'est marrant parce que vous êtes 4 à l'avoir fait subitement. Il y a Ayako, Yannex, Wizo et toi qui avez fait ça direct. Oh, il part en 3-6. Ouais, pour les points de style. Normal. Oh, il y a un bump à la fin! Wouh! Bien joué Wingo! Encore du monde pour Wingo Béard! Oh putain, la fin est dégueu. Bon, ok, bon, bah du coup, ça fait une map à modif. Oh le bum, mais tu casses les couilles! Mais ça va, il suffit de le savoir! C'est bon, c'est il suffit de le savoir! Bah oui, mais bon. Non, mais Wingo, arrête de faire ça, c'est gênant. Faut release! Tiens, voilà, t'as pas assez de vitesse! Chet, tu vas attends, tomber! Attends, c'est bon. J'ai une autre idée par contre, donc je vais la tester direct. Le drift le plus long de France. Ouais, c'est clair, je t'en mode, ça va? Je vais mettre un checkpoint en plein milieu du virage là pour te calmer. Attends, là. attends. Oh non, fais pas ça. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut descendre là et après ça nous mènerait où? Ça nous mènerait là. Ouais, non, le checkpoint est trop. Non, c'est infaisable. Et puis il y a les barrières du looping donc c'est infaisable. Ouais, même le checkpoint en vrai.
Même le checkpoint est trop placé différemment pour que tu puisses y arriver bien. Tu avais pas vu ce cut? Le cut du turbo? Non, j'avoue, j'avais pas. Non. Ouais, je croyais que les joueurs respectaient les mappers, quoi, c'est juste. Toujours pas. Excuse-moi. Je pense que j'ai trouvé un cut. Putain, non, mais lui. Je vais même pas aller le spec, hein, parce que de toute façon. Il est dur à prendre, quand même. Ça va, Karl? À la fin, je saute de mur en mur. Ouais. Ouais, écoutez, de toute façon, depuis que moment a trouvé un cut, moi, j'ai perdu espoir. J'ai juste perdu espoir. Hugo 220 pour la troisième place, Cyrémix pour la première place. J'ai 34 secondes pour l'instant. Bam, troisième. Il se marre, donc, qu'est-ce qu'il a encore? Ça me fait rire. Il y a un cut vers la droite au booster, les gars. Il est insupportable. Il est insupportable. Quel bonheur d'être détesté, en tout cas. En plus, Wingo, il dit pas qu'il y a les cuts, juste il les montre. Ouais. Karl Junior qui déteste tous les joueurs de Trackmania, quoi. C'est chaud, en vrai. Ouais. Wow, Karl. J'aime juste Bren. Ouais, bah ouais. Merci. Enfin, tu l'aimes jusqu'au 29 juin, quoi. Jusqu'au 29 juin, vers je sais pas, vers 22h, peut-être. Oh la fin. Ouais, je sais pas. C'est ça. Ça veut dire quoi, ça? Non, mais je sais pas, après, vous faites ce que vous voulez. Ça ne dépend que de vous, hein. Moi, je n'influe en rien sur votre victoire ou votre défaite, hein. On est en train de spec Karl Junior, mais c'est pas... Ouais, mais moi il est cut, vous connaissez. Il essaie de prendre le cut, c'est ça le problème. Du coup, on n'assiste pas à un très beau spectacle. Oh, easy. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort. Ah ouais, avec la bordure et tout. Vraiment, là, t'as gagné du temps. Non, mais faut pas stop, en fait. Non, mais entraînez-vous sans le cut. Je vais mettre un checkpoint. Mais tu sais très bien qu'on a envie d'être premier maintenant. Mais vous faites chier. Bah oui, mais c'est la connerie des joueurs Trackmania, en fait. Mais bien sûr, vous êtes tous cons. Bah je vous déteste. Yes. Oh, c'est pas mal, ça. Oh. Ah, mais 5-4, ça va être une bonne map. No joke. Écoutez-le, l'autre. Mais vraiment? Peut-être laisser le cut, en vrai. Pardon? Oui. Drift sur le rib ou Ritz? Oui, drift, ouais. Wallet, puis à droite. Non, mais vraiment. Mais c'est après le cut. J'arrête. Ça dépend avec la vitesse que t'as au cut, bro. Genre. Insupportable. Intenable. Yannex. Yannex, il est trop fort. Troisième place. Bren Topin, il est trop fort. Ah, voilà, ça se fout de ma gueule, mais ça prend le cut allègrement, en fait. Et bien sûr que tout le monde prend le cut. En plus, il était bien caché, le cut. Ah, il est vraiment personne pouvait le trouver, quoi. C'est... Oh, putain, Karl, faut que je te parle d'un truc. Parce que vu que t'as pas regardé le mapping, on t'a envoyé le clip. Ouais, si tu veux, je peux te trouver d'autres cuts. Non. On t'a envoyé le clip ou pas? Est-ce que t'as envoyé le clip du mapping avec quelqu'un qui parlait de toi? Non. Ok, alors je t'explique. En gros, oui. Il y a un père de famille qui a pris une place à son fils de 6 ans pour Strasbourg, uniquement parce qu'il est fan de toi et qu'il veut te voir là-bas. Mais arrête. Et il a fait une donation pour l'expliquer. Il a dit: oh, mon fils de 6 ans est trop content, ils veulent voir Karl Junior sur scène. Et voilà, donc écoute, aucune pression de qualification. Mais mec, ça me ferait mal. Mais mes yeux sont toutes mouillés là. Non, mais je te jure que c'est vrai. Il a fait une donation pour l'expliquer. Envoie le contact. J'ai demandé aux gens de t'envoyer le clip. En vrai, je pense qu'ils vont t'envoyer. Ils t'ont envoyé le clip. En vrai, gars, si tu te qualifies pas, t'es vraiment un connard. Sardo, respecte-moi. Tu seras pas un connard, mais en tout cas, sache que t'auras brisé un rêve. Voilà. Après, c'est comme tu veux. C'est-à-dire que dis-toi, dans son développement personnel, il sera fucked up. Genre, ce sera probablement un drogué, d'ailleurs. Voilà, c'est alors cool. Que là, ça pourrait être un astronome, tu vois. de Formule 1. Donc voilà, il y a quelqu'un qui a fait cette donation et je voulais t'en parler. Et j'avais demandé aux gens qui t'envoient le clip, mais peut-être t'as pas vu. Mais voilà, il doit traîner sur tes mentions Twitter, le clip, hein, je suis quasiment sûr. Ah, mais c'est trop mignon. J'avais 33.6. Ouais, c'est trop mignon. Voilà.
Et sachez, messieurs, qu'on vient de dépasser les 6000 places vendues pour le Zénith de Strasbourg. Incroyable. Oh là là. Bravo à tous. 6000. Tu vas faire une HT des places ou pas? 6000 sur 7500. Est-ce que je vais faire une map HT des places? Moi, oh, je sais pas. Le concept de ce soir était bien pour l'ouverture de la billetterie. Je trouvais ça. Mais quand il restera des places à écouler, il faudra une map acheter des places. Le problème, c'est que là, moi j'ai même pas besoin que les changer de déplace quoi. 6000 ça me suffit. Hein. Je pense que j'ai WR 5 cut, no joke. Quoi? Tu dis ça, mais bon. Mais est-ce que. Attends, est-ce que je suis devant toi, Sardash? J'aimerais 6. Please. T'es où? Non, enfin voilà, j'ai 36. T'es où? Oh, c'est ça. Mais attends, est-ce que t'as cuté toi? Pas moi. Carl Junior 20ème et Sardash 35ème. Bon, voilà. Non mais j'avais 33 en cutant, tu peux pas 34 sans cuter. Non, j'ai 35, 11 sans cuter. Stop cyberbullying, please. Guys. Bah après, c'est une map tech. Rappelle-moi. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a pas un truc qui s'appelle Draconia Pro League en cut, je crois, un truc comme ça. T'as 400 points d'avance, non, tu vois. Sur le deuxième, non, je... Ok, attends. Putain, j'ai de Blaver 5-4. 2000 points d'avance, je crois, un truc comme ça. Un truc comme ça. Bren 7ème d'ailleurs, non. Ouais, wow. Okay. Wow. Ça fait mal, hein. Ah, ça bon, fait mal, 34-69, ça. Mais t'inquiète pas, Brennon, on va faire des compétitions d'RPG, mec, je te le jure. Let's go, je te le jure. Je vais mettre de l'argent dedans, de mon argent. Stop cyberbullying, guys. Ok, on investit, on lance le RPG. Je te le jure, sur ma vie, qu'il m'arrive un truc. Qu'il m'arrive un truc. Merci, Manu. Il vous reste 2 minutes pour découvrir la 5ème et dernière carte. J'ai pas le temps de faire 33, non. Mais tu vas fixer ça? Ouais, je vais fixer le cut, je vais mettre un CP dans le virage. Ok, la meuf, il est si intelligent quoi. Ouais. Ah ouais, hein, tout de suite là, paf. Direct, une idée. Salut, vu direct quoi. Action, réaction quoi, boum. Je pense que j'ai trouvé le truc à la fin, Bren. Je pense. Ouais. Ah, gros, t'as un autre cut. Ouh, tu vas chercher le finish dans l'eau. Non, mais. Non. Je te montrerai là. Il dit surtout n'importe quoi, ouais. J'ai trouvé un cut, pour vrai, hier. J'ai trouvé un cut. C'était la honte de ma vie, mais j'ai trouvé un cut. Tu parles de la map trial? Oui, ouais. Lui que t'as fixé. C'est vrai. Non, c'est vrai. La map trial, c'était quoi le cut? Bah, c'était à la fin, quoi. Mais c'était le truc... Où t'arrivais à la fin direct. Tu driftais d'un truc à l'autre. Sans taper le mur. Tu pouvais arriver à la fin sans taper le mur, en fait. Ah, avec un angle de merde, genre. En faisant gauche, droite, instant et... Ah ouais, ok. Il y a des directs. Ah, j'ai même pas vu en fait. Parce que le rebond dans le mur, il est pas safe que ça, vu qu'il y a le parasol de merde. Oui. Très bien placé ce parasol, excellent. Ah, vraiment un plaisir, ça fait plaisir. On sent que c'est smooth, tu vois. Carl, on t'a mis le Discord sur ton. Sur le clip sur ton Discord, pardon. Apparemment. Voilà. Merci. Vincent, merci beaucoup. Ah, c'est dur en vrai. En tout cas, je suis bien chaud sur le cut, pressé que ce soit corrigé. Yes! C'est un bon entraînement. Ouais, attends, parce que la map 100 est vachement cool. Vous entraînez dessus en même temps, voilà. Ah ouais, bref, tu tapes le CP. C'est la dernière? Pas mal ça. C'est l'avant-dernière, là il y a la dernière qui arrive. Ok. Oh là là, Bren, là c'était propre. Hein. Je pense que ça. Oh, venir à top 1 dernière seconde! Oh là là, trop fort! Ah, venir à top 1 la dernière seconde! 32-248. Bon, bah elles sont bien courtes toutes ces maps. Alors là, vous allez faire la map la plus longue des 5. Qui, à mon avis, on sera sous la minute, mais plutôt autour de 50, je pense. 45-50, je dirais. Et là, il y a tout. Il y a des tuyaux, de l'herbe. Vraiment, c'est la map du plaisir. Évidemment, doigt le plus court, map la plus longue. Logique. Comme le nom du doigt. Auriculaire. Nom le plus long, doigt le plus court. Alors... Donc on y va. Ça va plaire à Carl, ça. Là, ça ressemble à des maps d'il y a 2 ans. Ce bloc-là, tu l'as pas trop utilisé cette année, je trouve. Non, on n'est pas trop allé sous la terre, c'était la première fois cette année. Sachant que c'est pas passé un circuit, tu feras pas une épreuve spéciale pour remporter des points supplémentaires à la team qui aura le plus de points. Tornadeo, respecte les maps. Calmez-vous. Désolé, putain. Simple pour les spectateurs. Simple pour les spectateurs. Simple. Tu sais que ce bloc, il est typique des maps Zerator, je crois. Mais pas du tout. Y'a que lui qui est au courant qu'il existe, quoi. Merci Diff pour les 1500 bits. Ah, mais ça c'était une map à Néo, Massa sera content. Ouais, tu vas voir le Néo là, ils arrivent là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Comment ça, qu'est-ce que c'est que cette merde? Bien tout bloqué là. Ouais, là Wingo ça va pas être simple. Attends, pourquoi je suis arrivé au début là?
Ah, ça doit pas être la bonne route du coup. Ah, okay. Peut-être pas, non, en effet. Ah, fallait pas redescendre dans le trou. Brian, c'est toi qui as gagné la map grass dans TMGL, je l'oublie pas. Oh. Je sens que Karl a touché le saut. Ouais, c'est ça. Oh, il l'a pris, mais dans la vraie vie aussi, quoi. Oh, what the fuck, mais pourquoi je vais là? Mais je suis débile, en fait. Oh non. Pour tout ça, pour ça. Mais ouais, pourquoi? Je crois que j'étais attardé, en fait. Je crois que Karl vient de découvrir les tuyaux à la fin de la carte. Encore? Oh, mais c'est facile, c'est fait pour moi, ceux-là. Ouais, ouais, ouais. C'est des tuyaux joueurs manette. Ah ouais, il est trop bien, ce tuyau. Génial. Bon. Mais le moment avec le bumper, ça fait trop bizarre. Hein. Non, mais t'inquiète, tu vas t'y faire. Oh, c'est ouf. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, mais c'est un peu dur, quoi. Par contre, ça va être cuté. Hein. Ouais, j'ai déjà une piste. Alors, lui, ouais, voilà, 45-50, Bren à 49. Donc, c'était mon idée du truc. Cuté, je sais pas, hein, je vois pas trop où on peut cuté en vrai. Merde, tu penses vraiment pas qu'il y a pas un passage? Bah écoute, je sais pas, j'ai tout fait pour qu'il y ait pas, mais après pourquoi pas. Hein. Moi je serais ravi, hein, si vous trouvez, allez-y. Hein. Ah, c'est allez-y, marrant que des deux chemins à droite et à gauche dans l'herbe, il y en a un qui sort en entre-nous et qui soit bloqué. Non, mais je sais pas, on verra. Oh shit. Oh Brian, t'es si fort, man, on est. Je t'aime. Oh, Rev. Alors que Kenny, 10ème. Local 10. Oh yes. Et non. Oh le freeze. Ah, petit lag. Bien, ce petit freeze. Moi je l'ai pas eu sur les poteaux. Petit lag, vite fait. Ouais, vite fait, ouais. Attends, je comprends pas. Allez, restart. J'ai tellement hâte de perdre la round à la fin. Restart. Je ne comprends pas le bumper. C'est vers la gauche qu'il faut que tu sautes. Bah merci, mec. Carl et Bren, vous faites les rounds demain avec Domingo, Bad Lulu et tout? Bah, vu que tu me l'as dit, pourquoi pas. En vrai, ouais. Ok. J'étais pas au courant de l'invitation ou c'est open à tous? Non, mais je sais pas en fait comment il s'est organisé. Okay. Il m'a dit qu'il allait faire une soirée round, mais je sais pas s'il a invité des joueurs ou quoi. J'en ai aucune idée. Je sais qu'il m'a dit qu'il voulait organiser une soirée round jeudi. Mais je pense qu'il sera ravi. Je pense qu'au plus, il y a de compétiteurs qui challenge ces deux joueurs. Au mieux, il. Il y a un appel au cut là de la part de Slen. Oh, oh non, Bren, quel dommage. J'appelle au cut, j'en ai trouvé un. Ah ouais? Ouais. Ça ressemble à une map que table, ça quand même. On va voir l'air cool. Ouais, écoutez, dès que vous êtes devant Bren, au local, je vais voir votre POV, mais pas avant. D'accord? On fait comme ça. Ok, tellement que je travaille. J'aimerais voir Funnybert sur scène. J'ai un cut à l'herbe. Autant j'aime tous les streamers, influenceurs, aliens en ligne. Autant ce mec est clairement le meilleur time attacker, c'est un monstre. Funnybert? Ouais, c'est vrai qu'il est fort. Je peux pas être sérieux. Tu as raison. Merci Psychoshima. Faut bump sur le truc. Ah, j'avais que c'est pas facile. Faut pas. Je pensais dans le grass. Ah non, je suis désolé, ça sera pas lent. Encore 2 secondes. Et c'est... Karek. Merci à toi. Ouais, désolé pour vos arrêts. Pas de problème. Pas de soucis. Putain, c'est mais Bren, les tuyaux, t'es si rapide. Bon là, t'as été si nul à la fin, mais alors, sinon t'es si rapide. Oui. 48, 47. C'est un joueur manette, c'est tout. C'est mais juste arrête, ça, prends ta manette et fais la même. Bah putain. Bien sûr, mais tous les jours, mais. Tous les jours. C'est bon. Faut juste aller un T et mettre le joystick un peu à l'intérieur, c'est tout. Et putain. Bah prends ta manette. Mais je vais pas switch les. Mais par contre, je me tâte vraiment pour la map trial à avoir les deux en même temps. Est-ce que j'ai le droit? Ouais, c'est ouais, vraiment facile avec la manette. Regarde, moi j'ai fait un 3 minutes 53. Mais oui, tu fais ce que tu veux, Sard, hein, si tu veux switcher en pleine map de périphérique. Avant, j'avais une question. Alors là, c'est autre chose. Tu sais, dans les fins des maps, les Mordor et tout, faut être super précis. Yes. Ok, je me tâtais à avoir une touche de mon clavier. Ah, écoute-moi. qui fait droite et gauche, tu vois. Mais pendant une frame, tu vois ou pas? Ouais, bien sûr. Une macro qui fait gauche-droite? Ouais, non. Une macro qui fait droite, mais moins longtemps que les autres droites, tu vois. Mais quoi? Comme si t'appuyais hyper vite sur ta touche. Ouais, c'est comme si j'appuyais très vite sur ma touche, mais sans que j'ai besoin d'appuyer très vite sur ma touche. Ah, je vois. Mais pourquoi? Tu penses que ce sera vraiment plus efficace? Bah, en fait, je te dis, je fais droite-gauche avec ma main droite, et avec ma main gauche, j'ajuste en fait. Je fais des micro-droites ou des micro-gauches. Le mec est 4, Zera. Zera, le mec est 4 pour de vrai. Le mec est trou noir. Trou noir, il est 4. Hein? Trou noir, vas-y, je vais regarder. Je vais regarder. Bah, en vrai, Sard, fais-le, et dis-moi à quel point c'est OP, regarde, et ok.
Ah ouais, regarde, ok, regarde. Le cut, je vois. Regarde mon CP après l'air brain, je pense que j'étais vraiment fast. Ok, je vois mais le cut. Par contre, il y a un poteau après. Je viens d'y arriver aussi. Hein? T'as dit quoi, Karl? Regarde mon CP après le gazon. Pour la 18ème fois de cette queue. Non, ok. Ça fait combien? Moins 50 sur toi, Jean. Ah, il est pas évident le cut quand même, hein? Non, il est hard. Parce qu'il faut tomber pile dans le CP, sinon c'est pas worse à cause de l'herbe. Par contre, c'est marrant qu'en ayant cut, il soit derrière Bray Descartes. Oui, voilà. Il est dur aussi. C'est-à-dire qu'après, il y a quand même des tuyaux, quoi. Ah, par contre, Zera, sur la map trial. Oui. T'as dû voir ma trash par en dessous quand on rate. Oui, j'ai vu, je vais la corriger, même si en vrai. C'est juste une safe way quand tu rates, quoi, mais bon. Ouais. Ça mais il y en a deux, il y a deux endroits sur. Sur des maps où il y a des safe way quand tu rates, entre guillemets. J'ai moins une seconde sur mon Starbun. Dommage. Il y en a c'est insane. C'est insane cette map. Si t'enlèves le cut, elle est insane la map. Bah, je vais l'enlever, mais honnêtement, il est quand même vachement dur. Hein. Genre là, je le spec. Ça fait 4 fois qu'il rate d'affilée. Il a l'air vraiment dur à faire. Hein. Il faut vraiment une speed énorme. En fait. Putain, mais Yannex! Mec, il est chaud. Hein. Yannex, trop fort. Exactis, c'est solide. Hein. C'est vrai. Yannex, trop fort. Mais c'est ils sont pas cut. Dans un... Ils font quoi leur team Yannex. Ils participent, ils sont pas allés en TMG bah. Non, TMP non, non, je crois parce que c'était un peu tôt. Yannex fait pas mal de trial, de RPG, c'est un vieux joueur Yannex. C'est quoi que t'as dit, Zera? Bah c'était un peu tôt, non, je sais même pas si j'étais chez Exalti quand la TMG elle est sortie, non. Oh non, mais ça part à pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Ça veut juste faire rire. Qu'est-ce qui s'est arrivé encore? Non, c'est parce que la TMG elle a commencé trop tôt. Fait qu'il y en a qui sont pas dedans. Il avait pas l'âge. Il avait pas l'âge, Yannex. Je sais pas. Par contre, il est trop fort, hein, je vous le dis. Mais c'est vrai qu'il est insane par contre. Oh là là, il a raté, mais sinon il est trop fort. T'as Bren, il spec carrément tellement il se sent battu. Je regarde le cut de tout droit. Spec-moi, Brent, spec-moi. Ok, No joke, je le tente. En gros, tu vas à l'extérieur ici. Tu veux prendre vraiment ici. Putain, Zera, tu trouves pas ça? Tu es un teammate, ils ont c'était tellement cool. Hein? Merci. C'est tellement mignon. De quoi? Les deux teammates, ils donnent des conseils et tout, putain. Ouais, c'est clair. Oh là. Alors que moi, j'attends Kenny. Hein. On sent vraiment la fusion. Bah, Kenny, on l'a invité, il était là, mais il veut pas, je sais pas. J'ai dit qu'il vienne, mais. Après, Kenny, tu sais, il se rate en sous-marin, c'est le. Bah ouais, il a des strats que personne n'a, notamment sur le labo. C'est le joueur quoi secret. Hein. Ah bah voilà. Oh, y'a Kenny. Bah énorme ouais. On l'invoque et il arrive. J'ai regardé mon mate jouer et puis il dit qu'il me déteste, donc bah je suis venu. Mais non, je voulais que tu sois là, ça me manque tellement. Trop énorme, il reste une minute 37, y'a Kenny qui arrive. Bah énorme. Ça y est, on peut trail, mec, c'est parti. C'est juste parti. Ah mec, spec moi pour le cut, mec. Non, je déconne, je l'ai pas. Bon messieurs, moi je vais vous laisser là. Merci à toutes et à tous. Kenny, je suis en train de développer une stratégie. Merci qui a été autorisée par Zerator. Ouais, on verra. Fais-la d'abord et ensuite je te dirai. Mais je vais faire semblant de rater, comme ça il se dira pas que c'est OP. Je te dis le 28 juin si j'autorise, ok? 28 juin, c'est après la cup ça. Non, le 7, je te dis le 7 juin, d'accord? 28 juin, c'est mon anniversaire. Dis-nous le 28 sinon. Je vrai, te dis le 28, ça va hein. Je te dis le 7 juin. Ok, super, j'aurais 7 juin, je te dis si c'est autorisé. Ok, bah génial. Voilà, je ferai un statement. Je vais être le seul à le faire. Ouais, tu sais, ça, je sais pas. Hein. Moi, je pars, je pense. Tu penses que je peux révolutionner le Trackmania game comme ça là? Le clavier game, peut-être hein. Ah, peut-être, tu sais. Le binding, c'est un peu ma spécialité. Non, ah, ça, je sais. Ça, t'inquiète. Ah, bon, ça, j'ai aucun doute. Absolument aucun doute. Artanir top 1. Attends, y'a Yannex qui est en route là pour top 1. Non, mais attends, Artanir, il vient de faire vraiment un stand fou. Hein. Mais là, il arrive, Yannex. Pour l'instant, il est world record. Faut pas qu'il choque les tuyaux et c'est bon. Ah non! Ah oui, il a presque une seconde! Ah oui! Attends, s'il choque pas les tuyaux. Et y'a Hugo qui vient de passer. Ah non, y'a Nex qui a complètement choque les tuyaux. Aïe, ah, aïe! Ma fin était belle. 44. Hugo 220, 44! Non, mais ça c'est cut plus full tuyau ça. Quoi? Non, mais ça c'est cuté, c'est cuté, c'est cuté, c'est cuté. Même. Pas de panique, pas de panique! Non, mais c'est insane quand même, what the fuck? Ouais. Yes! Ça va hein? Bon, salut Kenny! Salut Karl! Bah, tu vas partir en éditeur, Zera. Bon, je sens qu'il va passer une bonne soirée. Moi, je vais retourner dans l'éditeur de map. Salut les gars! A plus! Salut mec! T'as bon, Zera? Oui!
Il faut une map Star Fox Adventure où on se balade dans les airs. On peut pas, je t'ai déjà expliqué sur Twitter. Mais si, mais t'enlèves les CP, tu mets un tuyau comme ça. Mais c'est de la merde. Mais non, mais sinon tu mets que des CP en l'air, genre un début et une fin. Mais y'a pas l'air contrôle en l'air, ça t'attrage et déterminé au début. Ça, on peut pas faire ce que vous voulez. Mais on fait pas un droite-gauche, juste un droite, c'est une parabole, tu vois. C'est pas un jeu de vaisseau spatial. Vaisseau spatiaux déjà. C'est déjà, on va commencer par là. Non, mais le nom propre, vaisseau spatial. Bon, merde. Allez, salut, hein. Bonne chance à tous. À bientôt. YouTube, c'est la fin de cette VOD, qui est beaucoup trop longue. Au revoir.